Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue sur la Taverne d'Abondance pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. J'espère que vous êtes tous très bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo invocation sur le nouveau portail de Dragon Ball Legends. Comme vous en avez l'habitude, je reviens régulièrement sur le jeu pour essayer de récupérer les portails, enfin les personnages récents sur le jeu. Alors attendez, je vois juste que mon portable est légèrement mal calibré. C'est un peu fait à la zeub, mais c'est pas très grave. Je fais ça en direct, hein, c'est pas très très grave non plus. Voilà, c'est un peu mieux comme ceci. Mais du coup, nous sommes là pour invoquer sur le jeu. Nous avons le Guan Beast qui est du coup sur l'écran, comme vous avez pu voir, une petite illustration. Vous pouvez le trouver sur internet pour illustrer un peu la vidéo. Alors le Guan Beast, il m'intéresse vraiment beaucoup. Comme vous savez, c'est de temps en temps en fait, du coup je fais beaucoup plus de Dragon Quest Die sur la chaîne, mais de temps en temps sur d'autres gachas auxquels je joue en fait beaucoup plus occasionnellement. Lorsque les portails m'intéressent, lorsqu'il y a des événements qui m'intéressent, etc. Bah je ne me prive pas de faire une vidéo dessus. Du coup le Guan Beast m'a donné envie de me remettre au jeu. J'ai récupéré assez de gemmes pour faire un step up complet normalement, donc on va essayer d'invoquer sur le portail. Je vais pouvoir faire 6 multi du coup, enfin il y a 2 multi avec moins de personnages, mais je vais pouvoir faire un step complet. C'est très peu, mais je suis free to play à 100% sur le jeu, enfin sur Dragon Ball Legends. Donc voilà, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, et à activer la cloche de notification pour être notifié lorsqu'une vidéo sort. Ok, du coup on va directement aller dans les tirages et on va pouvoir du coup regarder ce portail. Alors je n'ai pas mis la musique parce qu'évidemment la musique est strike sur le jeu. Du coup nous avons du coup ce petit step up avec la liste des paliers. Du coup nous avons 300 gemmes ici, nous avons 500 gemmes, du coup ça fait 800, plus 700 ça fait 1500, plus 1000 ça fait 2500, plus 1000 ça fait 3500, et du coup nous avons le dernier palier gratuit et j'ai 3519. Tu ne le vois pas mais j'ai 3519 en ce moment, donc je peux faire un step up complet et ça c'est magnifique. Nous avons du coup 20% taux de parsing à 20%, donc ça c'est ultra ultra intéressant. Donc on a pratiquement assuré d'avoir un sparking par multi, et on a pouvoir Z doublé, donc ça c'est ultra cool également. Du coup nous avons le Guan Beast qui est à 0,5, nous avons pas mal de LF que je ne possède pas ou que je possède avec très peu de doublons, donc on va aller vérifier ça. Du coup le Guan Beast qui est absolument magnifique, personnellement j'ai vu le film, alors j'ai vu le film il y a longtemps en mode un peu scred, enfin un peu truqué sur ce qui était disponible, enfin, où c'était possible de le voir, hein, c'est-à-dire vraiment des vidéos un peu filmées à la zub, mais j'ai été le voir la semaine dernière au cinéma, personnellement le film je l'ai adoré. Enfin c'est pas non plus le plus grand film du monde, et c'est pas non plus le meilleur film Dragon Ball non plus, mais le film est vraiment très très cool, la transformation est très très cool, même si bon les cheveux ils vont abuser, ils sont un peu trop mis de cheveux au-dessus, mais honnêtement la transformation est très très cool, le film est super cool, ça met en scène des personnages qui sont pas en scène depuis très très longtemps, bah, Piccolo, Gohan, voilà c'est deux personnages qui sont très en retrait dans DBS, donc c'est ultra cool de les revoir à l'écran, à l'affiche, et même, enfin surtout, revoir beaucoup à l'écran Piccolo, comme il l'a pas été depuis très longtemps, et même qu'il l'a jamais été. Ah si, il a été autant à l'écran, autant en scène dans l'arc Z au tout début avec Freezer, parce que même dans l'arc Cell, en vrai, il est un peu mis en valeur, mais pas non plus fou, enfin il se fait assez rapidement battre. Et dans Boo il est un peu moins utile, enfin il est utile on va dire, mais il est un peu moins mis en avant, il est un peu plus, enfin il est autant mis en avant que pas mal de personnages, là vraiment dans le film il est extrêmement mis en avant et ça me fait plaisir. Du coup, l'objectif, bah, c'est d'obtenir, hein, tout simplement. Celui-là, je ne possède pas, donc si je pouvais l'avoir, bon, bah, c'est pas non. Hein. Si c'est un LF, mais que c'est pas Guan Beast, voilà. Lui non plus, je ne possède pas, donc pourquoi pas. Je ne l'ai pas non plus, il me semble. Donc, plutôt intéressant. Lui, je ne l'ai pas non plus. Lui, je l'ai pratiquement en Zenkai, donc bon, si tu veux... C'est de là, je crois que j'ai pratiquement pour Zenkai, donc... Si tu peux me donner un doublon, c'est bon, c'est nickel, je la passe en Zenkai, et c'est calé. Le Piccolo, voilà, le Piccolo potentiel libéré, qui est plutôt sympathique également, bah, si je peux avoir un Piccolo, ce serait plutôt intéressant. Nous avons Lapin qui est juste ici, qui peut être intéressant également. Nous avons Gamma One et Gamma Two, pareil, je ne dis pas non. Et on a le ex Sangohan et Trunks enfant. Alors, j'ai lancé la vidéo assez hâtivement, mais il me semble que je n'ai pas fait mes téléchargements. Il ne doit pas en avoir beaucoup, parce que j'ai remis le jeu, parce que mon jeu était sur ma tablette. Voilà, il y a 13 démos à télécharger. Ça va vous éviter d'avoir
le téléchargement en bas. Parce que du coup j'ai remis le jeu sur mon portable hier au moment où je tourne la vidéo. Il était sur ma tablette parce que je jouais quand même beaucoup moins, donc ça ne fait pas grand chose qu'il prenne de la place sur mon téléphone. Et là je l'ai remis, donc j'avais pas mal de téléchargement à faire, mais j'ai pas fait ceux d'aujourd'hui. Voilà, comme ça on sera pas spoilé. Les amis, on est parti du coup pour la première multi invocation. Nous avons 300 gemmes à mettre. Il me semble que du coup on obtiendra 5 petites médailles, donc on pourra récupérer un petit ticket. Un ticket, voilà, avec 1200 pouvoirs Z d'un LL, enfin Legendary Finif à 5%. Ça c'est plutôt intéressant, j'ai dit Legendary Finif, hein. Voilà. La prononciation des mots est exceptionnelle ici. Allez, première multi les amis, on espère, il y a un nouveau terrain également dans les invocations qui remplace le glacier. Si je peux l'avoir, je ne dis pas non, parce qu'il est plutôt beau. Ok, donc on commence dans l'espace, une capsule, une seule capsule. Ou bas freezer. Si je peux avoir le Gohan Beast dès maintenant, moi ça me va. Glissé rouge, pas de transformation. On bas freezer. Donc on obtient déjà un sparking. On va baisser un peu parce que le jeu est très très fort. Allez, on obtient le premier sparking. Et c'est Gamma One que je ne possédais pas parce qu'il me semble qu'il y en avait un des deux qui avait filé, mais moi j'ai absolument obtenu aucun des deux. Oh, double sparking. Ok. Legendary Limited. Oh. Les amis, le Gohan Beast qui tombe de la première multi à 3. C'est quoi cette dinguerie? Oh, le Gohan Beast qui tombe dès... Oh putain. Oh le feu. Oh c'est génial. Ok, c'est bon. C'est trop bien. Oh, il tombe dès le premier, mon dieu. Du coup, j'ai deux nouveaux sparkings, parce que le Gamma 1, je l'avais pas, parce que il me semble qu'il avait été donné, mais je l'avais pas fait. Ou alors, c'était Gamma 2 qui avait été donné, et Gamma 1 est un personnage qui est arrivé après. Je sais plus du tout. Mais on a le Gohan Beast, les amis. On a le Gohan Beast dès la première multi à 3. Et en plus, c'est un 1200 pouvoir Z, donc il passe directement 3 ou 4 étoiles, dans 4 étoiles directement. Et on a 600 pouvoir Z à récupérer dans un event. Donc ça veut dire que je le mets directement 5 étoiles, 5 ou 6 étoiles. Non, c'est 6 étoiles, il me semble. Je le mets directement 6 étoiles. Oh la vache. Ok, bon, bah écoutez, la vidéo est déjà goldée avec la première multi. On est parti du coup pour une deuxième à 500. Eh, le jeu, vas-y, si tu veux rester sur cette pente-là, n'hésite pas, n'hésite surtout pas. Tu peux y aller, vas-y, vas-y. Ok, donc on a Namek en feu, 3 capsules, pas de transformation. Allez, si tu peux me faire apparaître Bardock, parce que il me manque Piccolo et Pan. Et Gamma 2 que j'ai pas non plus. Parce que j'avais pas faim. Je vous avais dit, j'ai arrêté le jeu un petit peu pendant un moment après l'anniversaire, donc voilà. Ok, donc là pour le moment, il y a absolument rien de garanti sur cette multi. Nous avons Boom à l'incarné, très bien. Le petit Zarbon. Vegeta. Chaos. Zamas. Et c'est tout. Donc cette multi-là est pas folle. Bon, avec la multi qu'on a eu juste avant, c'est pas très grave. Ça compense largement. Ok, deuxième multi. Sans plus tarder, ne perdons pas de temps. Alors, qu'est-ce que tu vas me donner comme terrain, s'il te plaît? Ok, donc Namek. Et on a Tao Pai Pai derrière. Tao Pai Pai qui garantit un starting, non? Il garantit pas un sparking, Tao Pai Pai? Je sais plus. J'ai pas révisé mes invoques. J'ai pas révisé mes invoques. Ok, glissé, prends ça. Égalité. Très bien. Ok. Alors, nous avons en premier lieu le Broly. Ça, je prends totalement. Oh, Sangohan et Trunks en extrême, en tag. Ça, je l'avais pas non plus. C'est plutôt intéressant. Sparking ici, les amis. Et bon, ok, ça, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Le Cell, Mr. Satan. Lee Shenron. Kakunsa. Et c'est tout. Ce Gohan, du coup, putain, je l'ai pas beaucoup, ce Gohan. Il est extrêmement vieux. Il est extrêmement vieux, mais je l'avais si peu monté. Très bien. Ça prouve à quel point le jeu, je l'ai pas farm depuis un petit moment. Ok, donc on a la multi avec les X garanties. Très bien. S'il te plaît, manque Piccolo et Pan. Ok, donc Namek avec un pod. La ferveur de la première multi est quand même vachement descendue. Ok, donc on win le combat. Kamehameha. Et une victoire du petit Goku, les amis.
Allez, s'il te plaît, fais-moi ton mépane ou piccolo, et on est bien. Ok, fake out, fake out, et c'est mal. Ok, donc ça, c'est complètement nul à chier. Double fake out, ok, vas-y, fais-toi plaisir. Majum, bah, je l'avais pas, donc je prends 1200 pouvoir Z. Triple fake out, vas-y, fais-toi plaisir. C'est Gamatou, les amis, voilà. Triple fake out, très bien. Non mais vas-y, le jeu, si tu veux, pas de soucis. Freezer. Bulma, très bien. Bardock. Felisa, que je n'avais pas, un extrême que je n'avais pas non plus, plutôt cool. Oh, un petit doublon du tag extrême, ça c'est plutôt cool. Un nouveau Sparking, un doublon de Gamatou. Eh bah parfait, let's go, j'avais pas Gamatou. Et je l'ai déjà du coup, 6 étoiles. Je l'ai déjà 6 étoiles, donc ça c'est ultra fort. Pareil, le tag extrême là, du coup il va être pas dégueu. Il va être pas dégueu avec double obtention, il passe déjà 3 étoiles. Et bah ça je prends totalement parce qu'il me semble que cet extrême là est... Et pas mal fort. Il est pas mal fort en vrai. Ok. Allez, du coup, il me manque Piccolo et Pan. Il manque Piccolo et Pan. Oh, nouveau territoire. Ok. Oh, ok, nickel. L'aspect va être goldé. On a du coup le territoire du. Enfin, la base du Red Ribbon. Et on a Bardock qui est là. Ok, très bien. Base du Red Ribbon. Bardock. Et t'as le Pipeline qui apparaît. Vas-y. Fous-moi Gohan Beast, Piccolo et Pan dans la même multi. Et là c'est bon, on a une deuxième multi Twitter et on est goldé, c'est bon. Allez, Totepo, le premier Sparking, Legend Limited, et le doublon du Sangohan, les amis, voilà. Ça c'est nickel. Allez, ok. Alors Goku Black, ça on s'en fout un peu. Saibaman. Dispo, je l'avais pas non plus en extrême. Ça me récupère un peu pas mal de personnes que je n'avais pas, c'est plutôt cool. Bulma. Cell. Souser. Shield. Et c'est tout. Pouf, ok, du coup nous avons Gohan 6 étoiles, donc on a Gohan 7 étoiles. On a Gohan 7 étoiles, il me semble, parce qu'avec les 600 pouvoirs Z qu'on peut obtenir, du coup c'était pas 6, c'était 5 étoiles. Et du coup, on l'a 6 étoiles, et voilà, le Gohan qui devient monstrueux. Il devient absolument monstrueux, les amis. Multi-gratuite. Ok, donc il nous reste un multi-gratuite. Et le ticket, parce que du coup, je vais pas aller à plus que ça. Étant donné que je suis pas pay-to-play, ça sert à rien que je... Enfin, j'ai pas invoqué jusqu'au truc intéressant. Donc, il me reste le ticket. Ce qu'il me faut, Piccolo. Parce que Pan, on peut l'avoir gratuitement en se connectant, simplement. Donc, il me faut Piccolo, et... Bah, en fait, j'ai la full team, hein. J'ai la full team totalement. Ok, donc on a Sparking garantie. On n'a absolument rien eu dessus. Donc, bon. On peut quand même espérer un petit Piccolo. Allez. Jaco. Piccolo. Raditz. Cell Junior. Ribrian. Bon, ça, on s'en fout. Ok, donc la multi est pas folle. Hein. À part le Sparking, du coup, j'imagine que je vais pratiquement voir la fin. Ok, fake out. Sparking. Ok, double Sparking. Non mais, Videl, je veux pas de toi en fait. Genre, Videl, gratte Saiyaman 2. Genre, au bout d'un moment, s'il te plaît, te fous pas trop de ma gueule. Ok, donc on a Videl qui passe 4 étoiles. On a gratte Saiyaman 2 qui passe 3 étoiles, très bien. Ah, je l'avais juste débloqué dans une event en fait, très bien. Du coup, on a le petit ticket. On a le petit ticket qui est juste ici. Voilà. De toute façon, ça sert à rien, je vais pas plus invoquer sur le portail, donc... le seul truc qui est intéressant pour moi, c'est le ticket. Alors, du coup, pouvoir attirer, à combien sont les nouveaux persos? Le Gohan est à 5%. Ok, donc lui, j'ai déjà eu. Donc, ok, donc le Piccolo et le Pan sont à 1%. En fait, il me faut Piccolo. Il me faut Piccolo et j'ai la full team, parce que du coup, j'ai Gamma 1, j'ai Gamma 2, et la Pan, on a gratos. Donc, il me faut Piccolo. Il me faut Piccolo et on a la full team. Après, même si on n'a pas Piccolo, j'ai quand même une team extrêmement forte. Il ne manquera que lui. Ok, donc 4 pods. Super Saiyan, les amis. Une égalité en se foutant des petites tatanes de la tronche. Genki Dama, Super Saiyan. Allez, les amis. Piccolo. On veut Piccolo, s'il te plaît. Alors, après, si tu me donnes pas, je suis content, mais. Oh la vache. Oh, c'est rincé, ça. Oh, c'est rincé du fion. Ok, et bah écoutez les amis, c'est trop bien, attendez les amis, autre stat,
perso populaire, du coup, c'est en quelle couleur le... Ah oui, parce que j'étais en train de récupérer des... j'étais en train de récupérer des petits trucs. Il est où, le Gohan Beast? C'est pas un violet? Il me semble que c'est un violet, le Gohan Beast. Ou je dis des conneries, ou c'est un bleu. J'ai pas fait gaffe à son type. Attendez, on va tout mettre, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus simple. Il est là, non, c'est un... C'est un bleu. Enfin, comment dire, c'est un... Ouais, c'est un bleu, c'est ça. Et c'est pas ce que je voulais faire, en fait, je voulais mettre en perso favori. C'est ici. Je voulais mettre en perso favori, voilà. Et voilà, les amis. Il est beau. Il est beau, les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi cet artwork. Magnifique. Et eh ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je me suis fait beaucoup moins shaft que la vidéo d'avant, parce que vous savez qu'ils n'ont pas vu, j'ai sorti une vidéo à vocation plutôt dans la journée sur le nouveau portail de Dragon Quest Die. Je me suis fait shaft comme pas possible, et là pour First Multi, j'ai Gohan, je pouvais pas espérer mieux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et puis bah les amis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la taverne, c'est Takane. Allez, ciao.